Ok, il est peut-être temps de vous dévoiler nos projets pour 2019. Il y a quelques semaines, on roulait tranquille en famille. Ambiance détendue dans le combi. Peinard, potiron, tracer la route comme il sait le faire. Quand soudain... Oh punaise! Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Le cap de l'embrayage nous lâche sous la pédale. Grosse tuile, on n'a pas d'autre choix que de se garer sur le bas-côté. Encore une galère, quoi! À ce moment-là, Mylène est encore enceinte, donc forcément... Ouais, c'est toi qui t'y colle. C'est moi qui m'y colle. Je suis plein de promesses. Ouais, je vais te faire rêver, chérie. Mais Mylène y croit à peine. Ouh là là, fais-moi rêver. Je passe sous le combi et rapidement, je contacte Carotte. Là, je comprends pas tout. Je me fais un peu incendier. Normal, j'aurais dû vérifier le câble avant d'attendre qu'il casse tout seul. J'ai plus le choix et je sors l'artillerie lourde. Avec Priscilla, avec un peu de chance, il y a ce qu'il faut dedans pour sortir de la galère. Bingo, il y a un câble. Je repasse sous le combi et Lily m'assiste. Enfin, la petite fait comme elle peut. Ah, Lily! Finalement, après quelques tours de clé, je parviens à changer ce câble. Mais le meilleur reste à venir. En sortant de dessous du combi, je me défonce le crâne sur le pare-choc. Je me suis défoncé. Mylène est choquée pendant que Lily se marre. C'est là qu'en pleine souffrance, me vient une idée. J'ai une idée. Deux. Puis trois. Trois. Ah, j'ai plein d'idées. Visiblement, les filles comprennent pas. Alors je leur explique. Yo, les gens. On va faire une BD. On va faire une BD.